créativité. Ici, on reçoit des surpreneurs, des créatifs. Ici, on parle aussi par nous-mêmes. Ici, on discute de sujets tabous sur la spiritualité, sur sa propre divinité et sa propre essence. Sans censure. Ici, on reçoit les magiciens, les magiciennes, les sorciers, les sorcières. Ici, on reçoit les créatifs et les créatives. Et on bâtit un nouveau monde pour faire augmenter ton potentiel, ton plein potentiel et ta pleine puissance. Bienvenue dans le cercle. Bienvenue dans le nid de créativité. Ici, on parle de spiritualité. Ici, on parle de créativité et on reçoit plusieurs soulpreneurs, plusieurs créatifs pour enrichir plus ta créativité et faire monter plus ta spiritualité. Bienvenue dans le cercle. Bienvenue dans le nid de créativité. Bonjour. Aujourd'hui, je reçois Marilou Ashiva. Elle fait de l'écriture automatique. Elle est une intuitive, une créative. Et ça me plairait de parler, de discuter avec elle aujourd'hui dans ce podcast. Salut Marilou. Allô Jade. Comment tu vas? Je vais très bien, toi? Oui, ça va bien. Alors, parle-moi, qu'est-ce que tu fais un peu plus? Ben, comme formation, j'ai une formation de Reiki chamanique, maître enseignante de Reiki. J'ai commencé à travailler avant d'avoir mes formations à l'Institut de la conscience éveillée pour, déjà par l'intuition, en guérison spirituelle, guérison émotionnelle aussi. Je ressens beaucoup les gens, je vois la couleur de leur aura. Donc, ça m'en dit beaucoup sur les blocages des chakras ou les chakras prédominants. Donc, c'est ce qui m'a amené à savoir que je pourrais probablement aller travailler avec ces énergies-là, qui m'a amené à étudier plus les fréquences, comprendre mes fréquences. Et plus j'ai ouvert ça, plus j'ai commencé à générer... chimiquement, ma glande pinéale a commencé à de plus en plus fonctionner. Donc, ça m'a amené jusqu'à l'écriture intuitive. Oui. Donc, en gros, c'est ça. Oui. OK. Puis, comment que... C'est quoi le processus quand tu reçois de l'écriture automatique? Comment tu vis ça? C'est spécial parce que d'une journée à l'autre, ça peut être différent. Autant que je peux demander de recevoir un message en méditation, puis que je sors de ma méditation, puis que ça me brûle les doigts, que je dois prendre un papier puis un crayon, mais je sais pas du tout que je vais écrire, mais que je vais me mettre à écrire. Autant que dans les groupes méditatifs, je guide des méditations avec d'autres gens. Ben, je guide, on s'entend que c'est plus possible. Mais j'écoutais des méditations en personne. Donc, je me connectais à l'énergie de la personne qui était en méditation et je recevais un message de ses guides ou des êtres de lumière que la personne devait recevoir. Donc, c'était vraiment en connexion avec son énergie. Devant le papier et le crayon, j'écrivais quelque chose. Les gens étaient émotifs, étaient touchés. Je voyais qu'on me disait souvent que je tombais directement sur ce qu'il y avait besoin d'entendre. Fait que ça m'a poussée à vouloir aller plus loin là-dedans. Puis j'ai commencé à de plus en plus être connectée dans des énergies élevées, puis à recevoir des mots vibratoires plutôt que des mots en français, exemple. Mm-hmm. Des mots qui sont... Oui. Des mots qui sont vibrations. Donc, je disais certaines choses dans les méditations guidées qui faisaient faire les frissons à tout le monde. On m'a dit aussi des commentaires comme «
je sens que ma colonne vertébrale est engourdie parce qu'il y a eu des clés ADN qui se sont déliées ou des choses comme ça, par simplement la vibration de certains mots. Puis les êtres de lumière qui me parlent dans cette langue-là, mais cette langue-là n'existe pas, mais je comprends totalement qu'est-ce que ça veut dire. Je suis capable de le décoder dans mon langage à moi que je connais. C'est comme... Quand j'ai eu... Oui. C'est comme un peu le langage de lumière, tu sais, comme quand on est enfant, on parle des fois avec nos soeurs et frères d'un langage, ou quand on est en transe, ou en souvent avec les transes artistiques, comme en théâtre, en impro, ou juste comme en expression, des fois on peut sortir des mots, mais qui sont émotions, qui sont vibrations. C'est-tu un peu comme ça? Oui, c'est ça. Je ne peux pas dire que je me connais tant dans le théâtre, mais je sais que quand je l'entends et quand je le répète, je vibre. Puis je vois les autres qui vibrent aussi. Donc, c'est vraiment un langage fréquence plutôt qu'un langage mot en tant que tel qui est reçu. Puis c'est soit en méditation, des fois je peux être en train de faire quelque chose que je peux être en train de cuisiner. Puis là, tout d'un coup, ça va être « OK, prends ton papier, c'est le temps, là, là. » Puis là, je suis là « Hein? Là, là? » Ben, je suis occupée, je suis en train de couper des oignons. Mais non, il faut que je prenne le papier, puis je prends le papier, puis je prends le crayon, puis ça sort, puis ça a du sens. Donc, OK. Puis... Même encore là, ça m'impressionne à chaque fois. Puis, t'as-tu un conseil pour... comme pour les gens qui aimeraient ça pratiquer l'écriture automatique, comment arriver à ôter les blocages par rapport à une certaine résistance à écrire? La première chose que moi je conseille aux gens, c'est d'être capable de regarder à l'intérieur de son cœur, d'aller connecter la pulsation du cœur avec le cœur de la Terre-Mère, de pouvoir aller se connecter à l'intérieur de son cœur, puis de comprendre la vibration de son cœur. Plus ça vibre, plus ça appelle à des gens qui disent « OK, cette personne-là est ouverte, puis elle a envie de communiquer, elle a envie de comprendre. » C'est vraiment, selon moi, un monde qui est dans son meilleur intérêt. Qui pour chaque jour, ces vibrations-là, pour moi, m'amènent de la joie, parce que je leur apporte l'intention de la joie. Je porte la vibration dans mon cœur. Puis à partir de ces étapes-là que j'ai faites, c'est sûr que ça ne s'est pas nécessairement fait en 15 minutes. C'est sûr que c'est une étape que aller à l'intérieur de son cœur, ensuite d'être capable de se connecter. Un coup que ça s'est fait, moi je demande à mon canal de lumière de s'ouvrir, puis de se connecter aux astres, de se connecter au chakra de l'univers. Puis même des fois, je vais aller demander de se connecter au chakra du multivers. Donc, plus loin que l'univers complet, je veux aller me connecter au multivers, au nombril de l'univers qui contribue à toutes les galaxies et à tous les univers, les unes avec les autres. Du côté vibratoire, c'est possible d'aller le faire parce que l'énergie, elle est rendue extrêmement élevée. Donc, c'est en ouvrant mes vibrations à ça, puis en ouvrant le canal de lumière central qui est à l'intérieur de mon corps, que je réussis à recevoir les messages. Wow. C'est beau, hein? Ouais. C'est beau, la vie. aurais-tu comme ça, est-ce que ça marche avec une intention? Aurais-tu un petit message pour moi? Juste comme ça, si les guides le permettent. Un message pour ton énergie? Ouais. Ben, je vois alentour de ton énergie beaucoup de lumière blanche. Je vois beaucoup de douceur, de lumière blanche, de particules dorées aussi qui est à l'entour de toi, qui sont une grande protection pour toi, mais qui n'est pas nécessairement toujours absorbée. Fait que les guides aimeraient que tu ouvres plus ton intention de ton chakra de couronne pour aller absorber cette énergie-là à l'intérieur de toi. Parce que tu es consciente qu'elle est là, et en plus, elle est là, mais tu ne penses pas à toutes les fois que tu en as besoin nécessairement de dire « OK, je m'ouvre et j'absorbe. » Ouais. Donc, plus tu vas aller
dans ton intention d'aller absorber cette énergie lumière qui est alentour de toi, ça va te connecter de plus en plus, ça va te faire grandir, ça va te rendre immunisé contre, envers contre tout ça. Oui, la protection. Ça, c'est un autre sujet qui m'intéresse. La protection, mais l'absorption de ton énergie lumière que tu fais déjà, mais que tu fais pas assez, va t'amener à ta protection sans que tu aies besoin de faire plus. OK. Parce que les énergies sont avec toi puis te nettoient déjà. T'es pas comme, je dirais, un être qui a nécessairement besoin de beaucoup de sauge, beaucoup de... L'énergie lumière qui est alentour de toi est toujours présente, puis tu peux juste, par l'intention, la prendre, puis la mettre à l'intérieur de ton canal de lumière en l'absorbant par ton chakra couronne, puis ça va nettoyer. Ça va t'apaiser, ça va te guider aussi. Puis, aurais-tu un petit truc de Reiki pour les gens en ce moment en confinement? Parce que y a l'énergie à brasse en ce moment, là, surtout aujourd'hui avec la pleine lune. Oui, l'énergie est, je veux pas utiliser des mots que je veux pas implanter, mais okay. C'est difficile en ce moment-là. L'énergie, elle est pas gentille, on va dire. Elle n'est pas gentille avec nous parce que l'anxiété généralisée met des microparticules dans l'air qui se génère et qui est absorbée par tout le monde. Moi, étant quelqu'un qui médite beaucoup, qui est beaucoup connecté aux énergies, j'ai besoin de plus en plus de me connecter et de me nettoyer par la lumière blanche divine parce que c'est plus lourd que normalement. Parce qu'il y a un climat qui a été à l'échelle mondiale qui n'est pas là d'habitude. Par contre, la grille énergétique de peur qui a été créée autour de la Terre versus la grille énergétique de paix, d'amour et de lumière qui est au-dessus, on peut aller se connecter à celle-là. Puis la seule chose que je pourrais le plus demander aux gens, c'est de méditer. Puis de méditer à l'intérieur de son cœur. Puis même quand on sent une douleur à la tête ou une douleur au ventre, on peut aller poser nos mains où ça va pas. Demander à l'énergie universelle de transpercer son corps avec ses mains, ça va aider. Ça va aider plus que prendre une Advil, ça va aider plus que mettre un sac magique, ça va aider plus que... C'est là, c'est disponible pour tout le monde, puis il faut s'en servir. C'est la chose... la plus simple à faire, mais c'est la chose qu'on n'a jamais été vraiment appris à faire. Mais moi, je pense que ça ne coûte rien d'essayer. Ça fait plusieurs années que je fais ça, puis ça va très bien. Hey, merci beaucoup. Donc, l'énergie universelle. Il faut toujours demander que l'énergie universelle passe par les mains, passe par la tête et passe par le cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire nécessairement énergie universelle? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce thème-là. L'énergie universelle, c'est un peu... pour rendre ça le plus simple possible, on peut imaginer l'électricité statique. Ça va arriver qu'on va prendre la portière de sa voiture, puis on va avoir un choc. Mais il n'y a pas d'électricité physique à tant que telle. La voiture n'est pas branchée dans le mur. Donc ça, c'est l'énergie universelle qui est présente dans toutes les particules puis dans toutes les fréquences de la Terre en tout temps. Cette énergie-là, si on veut, par l'intention, par la demande, on peut lui demander de se rendre jusqu'à nous. On peut lui demander, au lieu de donner un choc entre toi puis ta voiture, parce que dans ton corps, t'as de l'énergie, puis ta voiture, c'est un métal qui est un conducteur de l'énergie libre. Mais c'est cette énergie universelle-là qui est présente partout, qui se sert, c'est de ça que tu te sers pour aller générer un courant électrique positif. Je sais pas si je peux rentrer dans les électrons puis les protons puis ça, mais c'est, ça a un côté spirituel et un côté scientifique à la fois.
parce que c'est les fréquences, c'est quelque chose de scientifique. Les fréquences, les protons, les neutrons, les électrons, le positif, le négatif, ben ça, on peut s'en servir. Fait, même si on n'est pas en train d'avoir un choc électrique dans nos mains, mais cette énergie-là, on peut quand même, par l'intention de la pensée positive, demander à cette énergie-là de se connecter à notre cœur ou à notre corps. Et j'ai une autre question. Est-ce que l'imagination, c'est une porte à l'énergie universelle? L'imagination consciente, oui. L'imagination d'un monde, je dirais... Aller dans une imagination d'une possibilité de quelque chose qui n'est pas positive va pas fonctionner. Donc, pour moi, l'imagination, c'est pas exactement la même chose que l'intention. L'intention va générer plus une énergie de présence, de quelque chose de physique. Tandis que l'imagination va peut-être plus amener dans le domaine du rêve. Je sais pas si c'est clair. Ouais, ouais. Mais l'intention, pour moi, c'est plus il se passe ceci maintenant versus l'imagination, c'est ah, j'aimerais ça que ça se passe comme ça. L'énergie n'est pas la même entre les deux. Je parlais plus comme... Oui. Oui, je t'écoute. Je parlais plus pour l'imagination dans la création d'une énergie autour de soi. Je sais pas si tu comprends. Oui. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, si tu imagines, exemple, une bulle de couleur autour de toi, ça va créer ta bulle de couleur autour de toi. OK. Puis ouais. Pourquoi ça le fait? Sais-tu que l'imagination, ça se connecte avec l'énergie universelle? Sais-tu comme notre pilote automatique ou notre écran de contrôle? Je sais pas. Je pense que l'imagination, ce serait comme un tremplin entre les êtres de lumière qui sont là pour nous aider. Rendre compte des gens qui sont connectés et qui veulent profondément recevoir l'énergie universelle et qui sont prêts à la partager. Parce que quand tu as ça dans ton corps, il faut que tu partages parce que ça vibre tellement que tu partages à tes amis, à ta famille, à tout le monde. Mais cette intention-là, de cette énergie-là, elle est connectée avec, selon moi, les êtres qui vont décider que tu peux recevoir ça. Fait que si tu te dis, OK, ben je veux imaginer quelque chose qui n'est pas dans un intérêt positif, ça ne fonctionnera pas. Tandis que si tu imagines quelque chose qui est dans un intérêt positif, exemple, là, je vais avoir quelqu'un en avant de moi, puis là, je vais lui dire pour un soin, OK, là, tu vas imaginer une lumière orange émanée de ton plexus solaire. Mais là, j'attends jusqu'à temps que l'imagination se transpose dans l'énergie universelle qui va entrer à l'intérieur de sa glande pinéale puis qui va se projeter dans son chakra. C'est en voyant ça que je vois que, dans le fond, l'énergie universelle sert à aller nettoyer notre énergie spirituelle, notre énergie émotionnelle, notre énergie physique. Mais c'est autant en imaginant qu'en implantant. Ouais, l'imagination va servir à ça autant que l'implantation, que le désir, que l'intention de le faire. Je pense en fait que c'est toutes des synonymes. Wow. Ah, merci. C'est. Parce que c'est ça, qu'est-ce que moi je fais, c'est. Je sais pas si c'est du Reiki, mais je vais dans un monde. Par l'imagination dans un monde chamanique, puis
qu'est-ce que je vois, je le canalise, puis je le compte en histoire, puis les gens interagissent avec qu'est-ce qui arrive. Puis ça fait des résonances, justement, dans le physique, parce que l'énergie change, puis les symboles arrivent, puis les énergies se nettoient comme ça. Ah, mais c'est génial. Mais c'est vraiment l'intuition que tu as trouvée. Je pense que chaque personne, vu qu'on le sait qu'on a tout un ADN différent, bien, on peut aller à tous des endroits différents. Puis c'est important de continuer de canaliser ça, même si c'est pas nécessairement la même chose d'une personne à l'autre. C'est un beau cadeau que tu reçois à chaque fois que tu vas là. Puis c'est toi la seule personne qui peut aller canaliser exactement cette énergie-là. Puis on a besoin de chaque personne qui canalise exactement ce qu'il y a à canaliser. Ouais. Merci beaucoup. On est tous en train de former une espèce de beau puzzle énergétique puissant. Puis ça va être dans le meilleur intérêt de l'humanité, j'en suis sûre. Wow. C'est très apaisant. C'est très apaisant, oui, tes paroles. Apaisé, j'avais besoin de ça matin. Ben, à matin. Aujourd'hui. Bon, je vais marquer sur le lien toutes les informations. Allez voir Marie-Lou. Et je vous souhaite une belle journée, éditeur. Merci beaucoup. Merci.